Alice. Bonjour à vous. Nous vous souhaitons, Brigitte et moi, une très bonne année 2019 en magie. Tout à fait. Pour commencer en beauté, j'ai puisé dans le livre de John Carré qui s'intitule Minimalistica, que voici, une petite merveille que je vous présente maintenant. Alors je t'ai concocté aujourd'hui un petit tour de carte exceptionnel. Un petit tour de carte dont tu vas être l'actrice en fait, parce que tu vas participer. D'accord. Alors, pour commencer, je vais te demander, tiens, tu sais mélanger le jeu à l'américaine ? Non. Tu sais pas ? Il y a plusieurs façons de le faire. Bon, je vais le faire à ta place. On va le faire simplement. On pourrait le faire sur table. Moi, je vais bien le faire comme ça, tout simplement. T'as les mélanges style à la française. Tu connais les mélanges à la française un petit peu ? T'as déjà vu ça ? Mm-hmm. Ouais, t'as déjà vu. T'as aussi les mélanges... par exemple, tu prends un tiers du jeu, tu déposes à côté, tu recoupes et tu mets là. Non, la moitié du jeu. Tu coupes la moitié du jeu encore que tu déposes là. D'accord ? Et puis le reste, à la limite, tu peux le mettre là. D'accord ? Ça, c'est du coup. D'accord ? Tu as les mélanges. Je pourrais t'en montrer plein. Mélange japonais, mélange belge, enfin, plein de styles de mélange. Je voudrais que tu prennes, suite aux différents mélanges, que tu prennes les 5 cartes, les 5 premières cartes par exemple, tu ne les montres pas, tu les prends et tu les gardes face vers toi, d'accord ? Oui. Tu vas mémoriser simplement la carte la plus forte. Mm-hmm. C'est fait ? C'est fait. Donc ces 5 cartes, tu les remets dans le jeu et tu remélanges le jeu. Bah tiens, à la française comme tu connais. Je remélange tout ? Tu remélanges le jeu, bien, 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 bien. Et ce qui serait fort après, c'est que je puisse mentalement trouver ta carte. Donc tu y penses très fort à ta carte ? Oui. D'accord. Alors, mon intuition dit que tu as choisi une carte noire. Oh oui, tout à fait. Je pense que c'est du pic. Tout à fait. Et je dirais même plus, c'est une carte haute, c'est une figure. Oui. Le valet de pique. Yes. Tout à fait. Ce qui est super étrange, c'est que tes pensées sont les miennes en fait. Ah bon ? Depuis le début. Tu as pris 5 cartes, tu as mémorisé, tu as pensé à une carte. Tu l'as démontré au spectateur la carte ? Non. Et je te prouve mes dires. C'est que tes pensées sont les miennes. Oui. Parce que regarde. Si j'étale le jeu, au milieu apparaît désormais une carte. Une seule carte rouge. Oui, je vois ça. Et dessus, il y a marqué quoi ? Tu peux le lire à haute voix ? Mes pensées sont les miennes. Vos pensées sont les miennes. Excuse-moi. Sont les miennes. J'ai mal lu. Et ce qui serait très étonnant, c'est que la carte que tu as pensée dès le début. Ouais. Soit, eh bien, le valet de pique. Tout à fait, c'était tout à fait ça, le valet de pique. Le valet de pique. Surprenant comme tour. Je vous remercie beaucoup, mes amis, d'avoir regardé cette vidéo. Brigitte et moi, nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine, qui sortira dans un mois. En attendant, bonne année magique encore. À bientôt. Bye bye. Bye bye, à bientôt.